Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il envoya ses disciples lui demander « Est-ce toi celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les infirmes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une cause de chute. » À leur départ, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu avec raffinement? Mais ceux qui s'habillent avec raffinement sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. » C'est à son sujet qu'il est écrit « Moi, j'envoie devant toi mon messager, pour frayer ton chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean le baptiseur. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. »